C'est une session qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. C'est une session qui était particulièrement fatigante, mais essentielle. Il fallait en passer par là. Mais c'est vrai que le ressenti aujourd'hui, on est fatigué. On est tous fatigués. Samedi, moi, j'étais dans le groupe absolu, puisque je fais partie de ceux qui sont pour l'aide active à mourir, pour tout le monde. C'était intéressant parce qu'on a plutôt eu tendance à travailler en confrontation d'idées, justement pour avoir des oppositions et réfléchir différemment, s'ouvrir ou justement approfondir sur nos idées. Là, pour la première fois à ce stade, donc c'est-à-dire avec des idées quand même plutôt arrêtées pour tout le monde, on a travaillé ensemble sur les mêmes groupes d'opinion. Et ça, c'était super intéressant parce que ça a permis de recroiser des personnes qu'on n'a pas vues depuis plusieurs sessions, et enfin en groupe du moins, et de pouvoir échanger sur l'évolution de notre avis, sur ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu enrichir au cours des dernières sessions. Donc c'était super intéressant. Enfin, moi, je vois que j'ai beaucoup appris des autres à ce moment-là. Et j'ai l'impression que ça a vraiment bien posé les bases pour tout le monde. Puisque là, c'était une décision d'ensemble, en fait. On s'est mis d'accord sur les axes importants. Forcément, on n'a pas pu faire rentrer toutes nos idées, mais on s'est rendu compte qu'on était d'accord sur la plupart des grands axes et on a réussi à les mettre sur papier. Ça, c'était très intéressant. Après, les questions transverses, c'était intéressant aussi puisque le retour des médias qu'on a eu n'a pas été glorieux. On nous a beaucoup attaqué sur l'aide active à mourir, mais on a complètement oublié de parler de tout l'à côté. Les soins palliatifs, à aucun moment on en a parlé, alors que c'est un sujet qu'on a énormément travaillé. Tous les cadres d'accompagnement, tout ce qu'on voulait faire pour les aidants, tout ce qu'on voulait faire pour les soignants. C'est des choses qui n'ont pas intéressé la presse, puisque c'est un petit peu moins vendeur, c'est un petit peu moins peps. Et du coup, ça donnait l'impression qu'on n'en avait pas du tout parlé, alors que ça a été une grosse partie de notre travail. Et là, on a réussi à remettre un petit peu ça sur le papier et j'espère que grâce à cette session, dans les médias, on sortira un petit peu aussi qu'il y a eu autre chose que l'aide active à mourir et qu'on n'a pas mis de côté les soignants ni les soins palliatifs, qu'on a vraiment travaillé sur tous les sujets. Mais moi, mes attentes pour la prochaine session, maintenant, ça va être vraiment d'affiner le livrable, d'arriver à accorder nos violons, parce que c'est quand même compliqué de produire un texte qui va regrouper la vie du refus, la vie conditionnée, la vie absolutiste, les personnes qui n'ont pas d'avis, parce qu'il y en a aussi, et arriver à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce que moi, je suis fervent défenseur de ça. Je suis pour l'égalité, je dirais même l'équité. Il faut qu'il n'y ait personne qui soit sur la touche. Et il faut qu'il n'y ait personne qui se sente mis sur la touche. Il faut vraiment que l'ensemble des voix soit écrite dans ce livrable. Il faut que tout le monde soit entendu, il faut que tout le monde soit lu. Et je pense que ça va être un exercice compliqué. Alors pas impossible, parce que justement, au niveau des équipes d'encadrement, ils ont les méthodes et ils nous guident super bien à ce niveau-là. Après, ça va être à nous de nous responsabiliser. Je pense qu'il va falloir, dans certains cas, ravaler nos égos, ravaler nos envies. On ne pourra pas tout mettre. On ne peut pas mettre 180 avis de 180 citoyens dans un livrable, sinon c'est imbuvable. Donc il va falloir faire un condensé. Il va falloir qu'il y ait des idées fortes, justement. Il va falloir qu'il y ait des grandes lignes. Se mettre d'accord sur ces grandes lignes, ce sera déjà quelque chose de beau. Et il faut laisser la place aux autres. Le bon avis, c'est celui de l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas celui d'une personne, ce n'est pas celui d'un groupe de 10, celui qui parle le plus fort ou celui qui s'exprime le mieux. C'est vraiment l'ensemble. Et je pense que c'est cette unité qui nous rendra service et qui fera que le livrable aura une valeur et un poids aux yeux de ceux qui le liront. J'adore qu'on soit en désaccord avec moi, j'ai vraiment pas la science infuse, je pense vraiment pas avoir raison sur le sujet. Mais le désaccord, en fait, ça amène à une réflexion. Et je pense que le livrable, il doit amener à ça, il doit amener à une réflexion. Le but, c'est pas que les gens qui le lisent soient d'accord avec moi ou avec une partie des citoyens. Le but, c'est que les gens qui lisent réfléchissent et arrivent à se faire leur propre avis à la fin de la lecture. Et pour moi, si on arrive à ça, on a tout gagné. Alors, la phrase est un peu facile, mais tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc le but, c'est qu'on aille le plus loin possible. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'entraide. Pas de guéguerre, j'ai l'impression que c'est l'idée générale, c'est un peu ce que je vois tous les jours. Donc on s'entraide, on soutient. Les avis, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus trop d'importance. L'important, c'est ce qu'on va faire de ces avis-là. Donc là, on se concentre sur le livrable, on n'est plus dans l'heure du débat, on n'est plus dans l'heure de l'affrontement, entre guillemets. Maintenant, on est dans l'entraide, on avance ensemble, on construit quelque chose ensemble, on a un beau bébé à faire naître, et après, il faudra s'en occuper.